notre président qui va remettre un doc d'honneur à celui qui, pendant 10 ans, a guidé notre club et notre équipe vers les sommets. On imagine que c'était un moment particulier pour toi, beaucoup d'émotions et le public qui a répondu présent. On imagine que tu es content ce soir d'avoir pu saluer le public lillois. Ouais, évidemment, beaucoup de fierté, très heureux d'être venu enfin dire au revoir à ce public, ou à bientôt surtout. Mais beaucoup d'émotions, franchement, ça fait chaud au cœur de revoir ce public et j'espère, en plus pour cette grosse affiche, c'est top. Voilà, on peut faire encore plus de bruit pour Rio. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de l'acclamation quand ils ont scandé ton nom là? Bah, un peu de stress quand même. Un peu de stress de retourner sur ce terrain. Mais bon, voilà, j'ai eu un peu chaud, je te dis la vérité. Pourtant, je n'étais pas trop couvert, mais j'avais un peu chaud. Et non, vraiment, content de revoir ce public. Beaucoup d'émotions, même si j'ai beaucoup gardé en moi, mais c'était très bon. Je voudrais remercier le LOSC de m'avoir invité ce soir déjà. Ensuite, voilà, je suis très content d'être là et je voudrais que vous me fassiez plaisir ce soir. J'aimerais voir tout le monde debout. Allez, supporters, tout le monde debout, s'il vous plaît. Et j'aimerais qu'on entame un chant tous ensemble pour mettre la pression aux Marseillais. Qui ne saute pas n'est pas lillois. Hey, qui ne saute pas n'est pas lillois. Hey. Il y avait toute la famille qui était avec toi, c'était important? Ouais, c'était important. Ils m'ont accompagné pendant presque 10 ans ici. J'ai deux de mes enfants qui sont nés à Lille, donc voilà, ils sont un peu chez eux ici aussi. Bon, tu t'es déjà reconverti en animateur de stade alors. T'as lancé un petit chant, c'est ça? Ouais, j'ai lancé un petit chant. Il fallait un peu chauffer les Marseillais. Là, ils mettaient un peu trop la pression. Je trouvais que les sifflets que j'entendais, c'était un peu trop, donc on leur a mis un petit peu la pression. Ouais. Bon, l'objectif pour toi, j'imagine, c'est finir cette belle soirée avec une petite victoire du LOSC. C'est ce que t'as dit à Christophe Galtier là dans l'oreille? Non, je souhaitais surtout un bon match au coach. Mais évidemment que l'objectif pour que ce soit une belle soirée, ça serait une victoire et une deuxième place. Ouais. J'espère. Ça marche, Léo. Merci, encore bravo. Merci à vous.